Le Trophée des femmes en or récompense les femmes les plus remarquables dans leur domaine. Cette année, la femme de l'innovation est Denise Pumin, une géographe dont la vision influence déjà les villes de demain. Pour elle, innover, c'est regarder autrement, explorer, comparer des pays à divers stades de transition urbaine et écologique. Vu de l'extérieur, je serais certainement ce qu'on peut appeler peut-être une femme de science, universitaire, chercheuse. Dans ma tête, j'essaie d'être aussi multidimensionnelle que possible. Donc, je me sens femme du monde. En fait, je suis une géographe humaine, donc je m'intéresse à ce que les sociétés font à la surface de la Terre, à ce qu'elles produisent, et plus particulièrement aux villes. Donc, je fais de la géographie urbaine. Mes valeurs personnelles sont des valeurs d'engagement, d'une certaine forme de rigueur, c'est-à-dire que je n'aime ni les postures ni l'imposture. Et en même temps, je pense avoir aussi le sens du collectif. J'aime bien travailler en équipe. J'étais dans une famille relativement stricte dans le mode d'éducation des enfants, comme c'était le cas souvent à l'époque. Et j'étais l'aînée, donc ma sœur était plus jeune que moi de 4 ans, donc il était hors de question pour moi d'être rebelle. J'étais la bonne élève depuis le début. J'aimais beaucoup la géographie, même à 6 ans, l'histoire me faisait peur parce qu'il y avait trop de batailles et je ne supportais pas les conflits. Et la géographie me faisait rêver d'ailleurs, de voyages. À l'époque, on voyageait très peu dans le milieu où j'étais en tout cas. Denise Pumin, sous vos applaudissements, géographe urbaine. Pour moi, une femme en or, c'est une femme qui a réalisé beaucoup dans des champs d'activité assez divers. Et finalement, toutes celles que j'ai rencontrées ont, comme on le dit, plusieurs cordes à leur arc. Et elles sont à la fois très professionnelles, très humaines, et elles ont su acquérir et transmettre énormément de richesses. Donc, c'est de l'or.